D'accord. Bonjour à tous, bienvenue sur le 10e webinaire d'écran total de SetKeeper et de Spring Legal. Cette semaine, nous avons demandé à Amazon Studio, Amazon Prime Video, de nous rejoindre pour parler de la manière dont il faut aborder les sujets pour produire avec la plateforme, et à Justine Planchon de 3ème Production de nous parler de son expérience avec Amazon, justement. Donc, comme chaque semaine, nous avons une petite heure ensemble pour aborder toutes ces questions, pour vous aussi prendre le temps de poser des questions à nos intervenants ce matin. Pour ça, rien de plus simple, sur la droite, vous avez l'onglet questions. Vous pouvez commenter et voter pour les questions qui sont importantes pour vous. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Julien Brunet du cabinet Spring Legal et Octave Boribert de chez SetKeeper qui vont nous aider à mener cette conversation et à comprendre un peu mieux comment Amazon, qui est devenu incontournable en France, et comme mon troisième œil, qui est déjà incontournable depuis bien longtemps, travaille ensemble et comment vous pourrez demain travailler avec eux. Alors, tout de suite, pour commencer, on va faire une petite. On va vous laisser vous installer doucement. On va lancer une petite vidéo de présentation d'Amazon et de troisième œil. D'abord, de troisième œil. Battu ensemble depuis le début, mais vous y avez cru. Et vous êtes battu avec moi. Donc je sais ce que je vous dois et je veux que ça continue. Bonjour, Catherine Deneuve. Vous connaissez tous. Je vous vois presque tous les jours. Et vous aimez ce que vous voyez? Oui, bah oui, c'est pour ça que je suis venue. Là, je suis en train de tourner l'émission en direct de Bienne. C'est beau quand elle monte un peu dans les tours, là, quand on arrive à 3-4 000, là. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Les jardins français redeviennent à la mode à la fin du 19e. Et là, tous les moyens sont bons pour redorer le blason de la France. Qu'un vieux maréchal décide qu'on capitulait, ça nous choquait. Ils disent c'est Ryan sur la vidéo. Et donc, on voit l'enfant pointer l'arme et tuer un otage. Il s'agit d'un meurtre, tu réalises? Attends, réponds-moi. Va te faire foutre, Bertrand. À partir de maintenant, t'es en garde à vue. Tu pourras tout supporter. Parce que t'es coupable. Excusez-moi. On est pour longtemps, là? Eh ben, je... toi ma mère, enfin, ça tombe. Mireille. Et vous, c'est... Mon mari. On a réussi et... il n'y a rien de plus beau, je crois. Merci beaucoup. Octave, tu veux peut-être nous lancer la vidéo de Amazon aussi pendant que les gens sont en train de se connecter? Oui, alors attends, je ne suis pas sûr d'avoir reçu la vidéo d'Amazon. Elle est déjà dedans, attends, je vais la lancer. Gentlemen, boys and girls, we have exciting news for you. You have a sense of adventure. Are you mad?
Pour ces présentations. Alors, peut-être honneur aux femmes, on va commencer par présenter Justine. Justine, est-ce que vous pouvez brièvement donc présenter un petit peu la société Troisième Œil pour ceux qui ne la connaissent pas et puis vous présenter un petit peu? Oui, ben alors bonjour à tous. Je suis directrice des programmes et du développement de la société Troisième Œil Production, qui est un groupe indépendant qui existe depuis 20 ans. Ça va bientôt faire 20 ans. On produit 500 heures de programmes par an avec une production de flux, de documentaires, de fiction, et puis des clips et de l'institutionnel. Et depuis 3 ans, on travaille avec les plateformes. Et voilà maintenant 1 an que nous travaillons avec Thomas à la production d'une série documentaire. Voilà sans doute pourquoi je suis là. Ben, merci beaucoup. C'est une très bonne introduction pour donner la parole à Thomas. Thomas, une petite présentation rapide de. Donc moi, je suis Thomas Dubois. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je et désormais je me suis en charge de tous les programmes originals, c'est-à-dire les séries, les flux et même les films. Prime Video a eu une envie depuis un peu plus d'un an maintenant d'accélérer ses investissements en France et je suis là pour travailler à ce développement. On a annoncé 6 programmes originaux français jusqu'à présent et on va continuer à faire des belles annonces parce qu'on travaille ardemment avec toutes les industries créatives françaises pour proposer le meilleur des contenus en local en France. Merci beaucoup. Julien, une petite première introduction. Voilà, pour commencer. Une introduction, tu veux dire, nous effectivement, cabinet Esprit Légal, on intervient dans le secteur des médias, de la production du visuel, et puis ça nous arrive effectivement de représenter des clients face à ce que j'appelle les nouveaux entrants, les plateformes, qui sont plus si nouveaux que ça. Et donc, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir cette fenêtre de discussion pour un peu, justement, bon, il y a beaucoup d'attentes, effectivement, on le voit au nombre d'inscrits, et puis il y a beaucoup de questions qui viennent sur l'organisation du travail avec vous. Donc c'est très intéressant d'avoir une société de production et puis la plateforme directement pour voir justement comment émergent les schémas ou pas, ou s'il y a vraiment on est encore au stade du prototype ou s'il y a effectivement des lignes de développement qui peuvent être dégagées. Hein. Voilà, c'est ça l'introduction de ce projet. Ben alors justement, puisqu'on est dans toutes ces questions pour démarrer, aujourd'hui, si on fait un petit retour sur les originals d'Amazon, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des programmes phares, des programmes qui sont arrivés dans les dernières années et qui ont porté la marque et surtout de ceux que vous êtes en train de préparer pour les prochains mois?
Alors, il y a ce qu'on appelle les International Originals, qui sont les marques phares de Prime Video, qui sont la plupart du temps des contenus, on va dire, anglophones. On a la série Fleabag, qui est une série phénomène qui a eu beaucoup, beaucoup de récompenses. Hunters, The Boys, on a Carnival Row, American Gods, Good Omens, Jack Ryan, qui sont vraiment, on va dire, les franchises phares de Prime Video. Nous, jusqu'à présent, sur le contenu français, on a annoncé deux séries, une première qui s'appelle Voltaire Mixte et une deuxième qui s'appelle Opération Totem, sur lesquelles on travaille actuellement. On a lancé un premier original unscripted qui était l'adaptation du format à succès Love Island en mars dernier. Là, on va lancer le 26 juin une autre franchise de flux qui s'appelle True Story. On a aussi annoncé donc une série documentaire sur laquelle on travaille avec Justine autour de Relsan. Et enfin, un grand show d'aventure qui s'appelle The Missing One avec un casting, on va dire, dont on est assez fier, avec notamment Tony Parker, Big Flo et Oli, Emmanuel Petit, Robert Pires et Marcel Desailly. Donc, on a, on va dire, ces marques phares et on a ces marques en France qui sont soit de la série, soit du flux sur lesquels on avance. Et on a actuellement pas mal de projets aussi en développement dont on espère pouvoir les annoncer très prochainement. Ah ben justement, on va pas tout révéler tout de suite, mais ce que les participants à la conférence veulent savoir aujourd'hui, c'est comment est-ce que je travaille avec Amazon, comment je vous approche, concrètement qui j'appelle, concrètement est-ce que j'envoie un email, est-ce que je dépose des dossiers, et à qui, quels sont les noms, est-ce que c'est possible de quels nous donner sont les une noms petite à un moment il faut pas les noms, donner des noms, il faut se révéler un petit peu, donc il faut nous donner des guidelines très pratico-pratiques pour les différents producteurs. Si je peux s'encadrer, en fait, cette question est très importante, c'est plus sur comment s'organisent les soumissions de projets. Que doit anticiper un producteur à un auteur qui vous soumet un projet? Comment il doit, voilà, est-ce qu'un producteur a une relation avec un auteur? Il a, par exemple, développé un scénario ou une bible. Comment il doit se soumettre ce projet à vous? Et puis une petite question corollaire qui est juste, est-ce qu'un auteur peut s'adresser directement à vous? Il doit nécessairement passer par un producteur, ce qui permet effectivement de voir vraiment cet angle de soumission de projet. C'est assez simple en fait de nous soumettre un projet, nous on est assez actifs, il suffit de nous envoyer un mail avec le matériel que vous avez déjà de développer. On n'a pas de règles dans le sens où ça peut, on peut commencer à développer aussi une idée ensemble. Donc ça peut aller d'un pitch à, on va dire, une bible ou des outlines un petit peu développés. On n'est pas fermé au niveau d'avancement des différents projets. Donc il suffit de nous envoyer un mail, de nous contacter, que ce soit moi ou mon équipe pour les flux, pour la fiction, pour des scripts de films. On prend des projets à tous les niveaux d'avancement. Nous, l'essentiel pour nous, c'est d'identifier une idée qui soit forte. Du moment où il y a une belle histoire à raconter, on trouvera toujours une façon de s'adapter avec notre partenaire quand ils nous soumettent des projets. C'est-à-dire que en règle générale, on préfère quand une production est attachée. Maintenant, il nous arrive aussi de travailler dans un premier temps directement avec des auteurs et d'attacher une boîte de production dans un second temps. Il n'y a pas de modèle figé. On s'adapte. Du moment où on trouve que l'idée est porteuse et est intéressante, on trouvera toujours un cadre pour lui donner vie. Alors moi, je vais rajouter juste quelque chose. Par expérience, notamment avec les plateformes, j'ai remarqué qu'effectivement, le dossier de développement est super important avec le pitch, les synopsis qui vont bien, etc. Néanmoins, comme on parle à l'international et on n'est pas que franco-français, c'est quand même intéressant de proposer un teaser qui puisse illustrer en fait tout ce qu'il y a dans le dossier. Et généralement, ces teasers-là sont amenés à voyager. Enfin, Thomas, pas, je pense. Et c'est tout de suite plus parlant, donc c'est vrai que quand un producteur a la possibilité de faire un teaser, c'est quand même pas mal. Ça nécessite quand même un peu de développement et d'investissement. Donc. Ce teaser, il peut intervenir à deux moments. Soit vous arrivez avec un projet qui est déjà assez développé et la meilleure façon de l'illustrer, c'est sûr que c'est un teaser. Maintenant, nous, dans notre process de travail, que ce soit sur tous les projets, on a toujours une phase de développement qui est intégrée.
Donc, on peut vous accompagner pour aussi le produire avant de rentrer en production et qu'on soit sûr ensemble du contenu qu'on va développer et qu'on va produire. D'accord. Et justement, les projets que vous cherchez, les histoires que vous cherchez aujourd'hui, c'est quoi les tendances du marché qui vous intéressent? Je vais dire un truc bateau, mais on cherche toujours les meilleures histoires. Nous, notre brief, il est assez général. On n'est pas extrêmement précis parce qu'on a envie de libérer la créativité des gens et que on estime que quel que soit le support, toutes les histoires sont bonnes à raconter. On va dire que dans de la série, le brief se fait autour de séries qui sont ce qu'on appelle du returnable. On cherche pas nécessairement de mini-séries. On a envie d'établir des franchises, de raconter des histoires sur le long terme. Sur du flux, on aime quand il y a un format que généralement, ça inclut aussi des visages, que les histoires sont portées par des visages forts. Je dirais que c'est ça le brief général, c'est qu'il faut que ce soit innovant, différenciant, que ça nous aide à définir notre ADN de marque en France et que de préférence il y ait des visages pour porter les histoires que l'on va raconter. On parle bien de tout type de production confondue, de la fiction, du documentaire, du long, du court, vous parliez de mini-série. Est-ce que vous avez quand même malgré tout des petites préférences sur certains programmes ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à rentrer et à mettre en production vis-à-vis de vous? La série prend plus de temps à être développée, ça nécessite un travail d'écriture plus long, donc on n'a pas de préférence, mais on sait que ça prendra plus de temps. Là, on en a annoncé deux, on en a d'autres qui sont en développement, on espère pouvoir compléter notre proposition française avec d'autres titres. Sur le flux, on sait que les temps de production et de développement sont plus courts, donc on le regarde de la même façon. Pour nous, en fait, les choses se complètent, on ne regarde pas l'un versus l'autre en se disant tiens, il vaut mieux faire de la série que du flux. L'essentiel et le point commun des supports, en fait, c'est de raconter des histoires fortes et d'apporter du divertissement et un contenu local qui puisse trouver, on va dire, une résonance chez nos consommateurs français. D'accord. Justine, peut-être, est-ce que vous pouvez... Si je peux juste rajouter, parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est que la façon qu'on a de travailler, c'est qu'on a un brief qui est assez global, mais nous, on travaille en ping-pong avec les producteurs. On aime bien quand ils nous soumettent des pitchs qui sont parfois courts, ça peut être un one-pager ou même une demi-page qui résume l'idée qu'ils ont. Et sur cette base-là, en fait, ça nous permet de dire non, en fait, et d'affiner ensemble avec les producteurs vers quoi on peut tendre ensemble. Je pense que on aime travailler de cette façon-là, dans un ping-pong et dans un échange créatif avec les producteurs. D'accord. Et Justine, est-ce que vous voulez partager un peu de ce point de vue-là votre expérience du pitch, des projets que vous avez emmenés, des projets que vous avez présentés à Amazon? Alors, nous, on a travaillé une stratégie qui était de dire il faut qu'on crée... Il faut qu'on crée le besoin auprès d'Amazon. Et on a travaillé sur un format d'exclusivité en allant chercher des sujets ou des personnalités qu'on ne voyait pas ailleurs. Quand je dis des sujets, travailler les formats d'écriture, faire en sorte que ces formats d'écriture ne soient pas sur les lumières ou sur Netflix. En fait, c'est un travail qu'on fait avec moi au quotidien pour les cours. Et travailler aussi des formats exclusifs en allant chercher des personnalités qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne seront finalement visibles que sur Amazon. Donc nous, on a vraiment travaillé ces deux critères-là. Maintenant, ça suppose d'avoir une personnalité ou un sujet suffisamment fort pour faire de la communication autour et créer l'événement. Parce que, en tout cas, nous, notre stratégie, c'était véritablement de créer l'événement et de créer donc le besoin chez Amazon. Et puis ensuite, de travailler tous les formats d'écriture pour faire en sorte qu'il y a un atypisme dans la production et le contenu proposé. Et ça, véritablement, c'est un travail qu'on fait avec Thomas au quotidien, avec les équipes de Troisième Œil et Thomas, qui, pour le coup, est extrêmement bienveillant sur la proposition artistique, la proposition éditoriale. Et ce développement, il se fait main dans la main et en partenariat avec Amazon. Ce qui est intéressant dans le point de Justine, c'est
le côté faire l'événement, nous, on n'est pas dans une logique de volume dans la production des contenus locaux, mais on va se concentrer parfois sur moins de titres, mais qui seront très ambitieux. C'est-à-dire, s'il y a 10 très bonnes idées, on fera 10 contenus originaux, mais il faut qu'ils soient suffisamment innovants et que ces contenus soient suffisamment innovants et ambitieux et nous permettre de faire l'événement et de donner et d'offrir quelque chose à nos consommateurs de vraiment différenciant. Et justement, en parlant de ça, Justine, je me permets de revenir sur votre phrase qui dit, en fait, on cherche des choses où on va pouvoir avoir des communications fortes et une stratégie de communication intéressante autour des programmes. Est-ce que ça veut dire que ça crée une différence avec les productions traditionnelles qui passent en linéaire et à la télévision? Et de ce point de vue-là, comment vous le gérez dès le début du projet et comment est-ce que, enfin, quelles sont les différences pour les producteurs là, qui nous écoutent et qui sont, eux, habitués à travailler avec des télévisions, par exemple, ou du linéaire? Bah, sur l'événementialisation des contenus, effectivement, il y a une vraie stratégie marketing et de communication avec les plateformes qui est envisagée dès le début, dès le début du développement du projet. À l'inverse, sur les chaînes linéaires, ce n'est pas forcément de cette manière-là qu'on travaille, même si on événementialise aussi les projets. Le documentaire sur Macron, sur les coulisses de la victoire de Macron qu'on avait produit, il y a vraiment pour le coup de la part de TF1 une forte événementialisation autour de ce projet-là. Néanmoins, on peut imaginer qu'avec Amazon, alors moi j'ai fait des diffusions sur Amazon, mais je vois bien la manière dont on travaille avec moi et effectivement on travaille sur l'événementialisation du projet, de voir comment il pourra être lancé. Et ça, on le fait dès maintenant, alors que le projet sera diffusé dans. Alors, juste peut-être un point sur ce là-dessus, Pierre, hein, si je peux. Oui, mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Sans mauvais jeu de mots, moi, je voudrais rebondir sur le ping-pong, c'est intéressant, parce qu'effectivement, beaucoup donc des questions et des attentes des participants viennent aussi de voilà, un projet est soumis. Généralement, quel est le délai d'attente? Enfin, à quoi ils peuvent-ils s'attendre en termes de délai de réponse? Je veux dire que vous êtes réactif, ils vont vous soumettre un projet, ils vont avoir un email d'accusé de réception, nous avons bien reçu votre projet, nous reviendrons vers vous au plus vite. Mais concrètement, est-ce qu'il y a un délai qui est un peu quelque chose que vous êtes fixé vous en interne en disant voilà, on va étudier le projet, puis on va vous répondre en tel laps de temps, ce qui m'amène aussi à une sous-question qui est comment concrètement en interne ça s'organise? Est-ce que vous avez un comité avec lequel vous, voilà, une première, vous disiez en premier, ça vous plaît, vous partagez avec votre équipe, vous avez un deuxième regard, une deuxième lecture, et puis finalement, vous prenez une décision fort d'une discussion un peu partagée à plusieurs niveaux. Les délais, ils dépendent de deux choses. Il y a, on va dire, les soumissions qui sont ce que je disais, des pitchs assez simples sur lesquels il est assez facile de répondre. Quasiment du tac au tac. Quand on a une demi-page et qu'on nous l'explique, on peut même s'appeler pendant 15 minutes. C'est assez facile de donner une réponse. Quand il y a du matériel qui est envoyé, en général, ça prend entre 15 jours et 3 semaines, le temps qu'on le lise, qu'on l'étudie et qu'on rende hommage au travail qui a été fait pour pouvoir donner une réponse circonstanciée. Comment est-ce que les décisions elles sont prises? Les décisions elles sont prises en local. Moi, j'ai avec moi une équipe de personnes qui travaillent et qui gèrent avec moi toutes les soumissions qui peuvent être faites. On connaît notre ligne éditoriale. On sait comment on a envie d'avancer. Donc, il y a des choses de façon assez évidente dont on sait qu'elles ne sont pas pour nous. Et il y a d'autres choses qui nécessitent d'avoir un échange entre nous pour se dire, tiens, est-ce qu'à minima, on ne fait pas un développement pour creuser et avancer sur le sujet. Je tiens vraiment à spécifier cette partie de développement parce que c'est dans la façon de travailler d'Amazon, c'est intrinsèque de se dire on a toujours cette phase de développement au départ pour vraiment instaurer la relation avec le producteur, lui faire part aussi du cadre, hormis le cadre créatif, du cadre contractuel, du cadre marketing, qu'il soit bien au fait de la façon de travailler avec nous, parce que
pour les producteurs français, c'est une façon de travailler qui est parfois un peu différente que ce dont ce auquel ils sont habitués. Voilà, donc on a vraiment ces deux façons de répondre. La première qui est de dire, quand on fait un pitch, c'est vraiment un ping-pong de base créatif, on va répondre quasi du tac au tac pour dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Quand on nous envoie des matériaux à lire et à étudier, ça peut prendre entre 15 jours, 3 semaines, on va dire. D'accord. Et est-ce qu'un projet a plus de chances d'être greenlighté, si je puis dire, en y associant, vous avez parlé de Marc tout à l'heure, un talent particulier, un cast, par exemple. J'ai un acteur, j'ai fait lire mon projet à un acteur, il a adoré, il m'a fait une lettre d'intention comme quoi il participerait. Est-ce que ça, ou un réalisateur, est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement vigilant? C'est quelque chose qui va renforcer votre écoute du projet ou pas spécialement? Le green light, pour nous, ça intervient à la fin d'une phase de développement. Donc, pendant cette phase de développement, on fait ce travail-là d'accompagnement du producteur pour justement rassembler tous ces éléments et avoir toutes les, on va dire, les données en tête sur le projet pour pouvoir prendre la décision ensuite et le passer en production. Après, comme je disais, certains projets arrivent avec un réalisateur déjà attaché, avec un talent déjà attaché, comme quand Justine nous a apporté le projet autour d'Orelsan. Le setup était déjà fait, ça ne nous a pas empêché de dire qu'on avait envie d'avancer là-dessus. Donc, une fois encore, il n'y a pas de modèle de se dire « il faut absolument avoir ça, il faut absolument avoir telle personne qui est attachée ». Non, on fait du développement, des phases de développement aussi pour permettre à tout le monde de faire avancer les idées et d'y attacher des gens, parce que c'est quand même quelque chose qui nous importe, c'est sûr. D'accord. Alors justement, je ne sais pas si on peut parler trop de sous, mais quand même, c'est important de savoir un petit peu comment les choses se fabriquent en termes de production. Enfin, en tout cas, les producteurs veulent le savoir. Comment se construit un plan de financement avec Amazon par rapport à un plan de financement traditionnel de chaîne? Quelle est la quote-part de droits prise par Amazon? Sur combien de temps des droits sont-ils gérés, etc. Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous avez des lignes directrices que vous suivez et qui sont les mêmes pour tout le monde? Nous, on n'a pas de modèle. On n'a pas une définition contractuelle qui va être la même pour tous. Chaque projet est abordé différemment et on va dire a des problématiques différentes, ce qui fait que le cadre contractuel est évolutif. On a une capacité, c'est notre flexibilité et notre adaptabilité. Donc, on n'est pas enfermé dans un modèle de droit qu'on doit absolument suivre. Donc, clairement, c'est une discussion, là encore, avec de la flexibilité sur les cadres contractuels. Donc, ça veut dire que, par exemple, un producteur qui a fait développer un scénario auprès d'un auteur, qui vient vous voir, généralement, beaucoup de ces producteurs ont comme attente à ce que, effectivement, soit le diffuseur ou la plateforme rembourse les frais de développement. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes ouvert. C'est quelque chose, ça fait partie effectivement des éléments de discussion en disant, voilà, moi je suis producteur, j'ai fait développer à mes frais, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Bien sûr, nous on valorise le travail, on le valorise aussi, j'ai envie de dire, financièrement. Et de la même façon que nous, on ne communique pas sur nos budgets et tout ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que on met nos budgets au service des histoires qu'on a envie de raconter, et on a envie de faire du contenu ambitieux et innovant, et on n'hésite pas à financer nos projets de façon à ce qu'ils le soient. Et je pense que c'est intéressant, Justine, là-dessus, encore une fois, on ne peut pas parler de chiffres et tout ça, mais de l'expérience qu'on a ensemble, notamment sur la série documentaire dont on parle sur Orelsan, mais là, on développe un projet ensemble où on travaille vraiment à la refonte du storytelling d'une série doc autour d'un sujet assez, assez fort. On prend le temps. Et on investit dans quelque chose qui est un petit peu du long terme, de savoir comment est-ce qu'on on redéfinit le storytelling dans une série documentaire. Donc,
On trouve toujours, du moment où on pense qu'il y a une résonance pour nos consommateurs, nous, chez Amazon, la vision, c'est qu'on travaille pour les gens qui vont regarder les contenus, pour les utilisateurs Prime, et donc de Prime Video. Du moment où on peut leur apporter des choses qui sont différentes, ambitieuses, innovantes, on trouvera la façon de les financer et on trouvera le modèle contractuel qu'il faut pour le faire. D'accord. Justine? Si je peux me permettre, il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait d'être en partenariat véritablement sur la ligne éditoriale et artistique d'un projet. Fait aussi que quand on se pose la question avec Thomas de savoir si on a assez de budget pour développer l'écriture, pour développer tel type de réal, etc., c'est-à-dire qu'Amazon s'adapte aux besoins d'un script, aux besoins d'une production, aux besoins d'un contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est assez rare et c'est important de le signifier, mais j'ai l'impression que le fait de pouvoir être en partenariat sur l'édito et sur l'artistique fait aussi qu'il y a une écoute peut-être du côté du financement qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude avec d'autres interlocuteurs. Est-ce que ça veut dire que ça rend le travail plus efficace? Est-ce que ça veut dire que ça rend la position du producteur plus agréable? Ça c'est vous qui nous le direz quand vous verrez les contenus. Il y a quelques, alors plus agréable, oui, parce que Thomas est très sympathique, vous le voyez, mais plus ambitieux. Surtout quand il a un casque. Mais plus ambitieux surtout, c'est-à-dire que je pense que l'envie de chaque producteur aujourd'hui, c'est de créer des contenus ambitieux. Travailler avec Amazon, et c'est pouvoir répondre à cette ambition de départ et pas l'assujettir à des contraintes qui nous sont généralement énoncées par les différents supports avec lesquels on travaille. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est extrêmement agréable pour un producteur. Rien n'est figé et surtout de pouvoir aller au bout de cette ambition et de la porter loin. Ça, c'est super agréable et c'est rare. Justement, est-ce que on peut parler un peu plus du programme que vous développez ensemble ou c'est encore un peu tôt ou je laisse. Un peu tôt. Oui. Enfin, vous avez dit des noms déjà. Vous avez commencé un petit peu à en parler, donc. On a la série documentaire sur Orelsan et sur laquelle on travaille avec Justine. Et là, par exemple, dans le modèle de pour un exemple de flexibilité, la personne qui prendra la parole sur quand est-ce que ça interviendra et la première personne qui prendra la parole dessus, ce sera Orelsan lui-même. Donc, on laisse la liberté à l'artiste aussi de pouvoir communiquer de la façon dont il le souhaite autour d'un contenu dont il est le lead. Donc, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on disait sur l'événementialisation justement de la production, de laisser porter aussi cette communication par le sujet même du documentaire. Nous, on a envie que les gens soient maîtres de leur histoire et de l'histoire qu'ils ont envie de raconter avec nous. On sera là pour les accompagner, pour le faire au mieux, mais on respecte leurs envies et la façon dont ils ont envie de les mettre en lumière. Alors, il y a deux petites questions intéressantes. C'est déjà, est-ce que les courts-métrages font partie des projets qui vous intéressent? Et puis, est-ce qu'il y a au niveau des durées, est-ce qu'il y a des durées minimum en fonction des genres, doc et série fiction? Est-ce que vous avez des durées imposées ou pas? On n'a pas de durée imposée. Là encore, les durées, on va dire, elles sont en fonction des contenus, de façon à ce que ce soit le plus dynamique et qu'on raconte le mieux, qu'on ne délaye pas en voulant faire trop long. Il y a des séries qui ont des épisodes de 26 minutes, d'autres qui vont jusque une heure par. Chaque épisode peut durer jusqu'à une heure. Vraiment, quand vous regardez les différents contenus sur Prime Video qui sont labellisé original, vous trouverez des différentes longueurs. C'est quelque chose qu'on travaille ensemble quand on travaille à la structure éditoriale du projet et à la façon dont on va construire nos épisodes. Les courts-métrages, d'un point de vue originals pour l'instant, c'est pas nécessairement une priorité à l'heure actuelle. D'accord. Ce qui m'amène justement, alors on avait un peu discuté en préparant ensemble ce webinar. Par rapport, pour affiner cette ligne éditoriale, effectivement, est-ce que l'animation rentre ou non dans justement les contenus que vous recherchez à produire, ou en tout cas à mettre dans votre catalogue, ou ça c'est plus à moyen terme ou plus tard?
Alors, il y a deux choses. Il y a les contenus originaux et le catalogue. Le catalogue et les acquisitions, ils sont dirigés par Isabelle Bertrand chez nous. Et ils ont déjà fait des acquisitions en animation qui sont très bonnes acquisitions. D'un point de vue production originale, pour l'instant, non, nous ne produisons pas d'animation. Est-ce que sur la production de manière générale, quand je suis producteur et que je produis avec vous et que j'établis un projet, quelle est en fait la politique de diffusion que Amazon va mettre en avant en termes de territorialité, en termes de diffusion dans d'autres pays et de gestion de ses droits, comment ça fonctionne? Par essence, les contenus originaux que nous faisons sont accessibles dans le monde entier. Après, comme je disais, nous, on a une stratégie qui est avant tout de répondre en local aux envies de nos consommateurs. Donc, si je prends l'exemple de Love Island que l'on a lancé en mars dernier, c'est un format dont nous avons acquis les droits pour la France et donc qui n'était accessible qu'en France. Là encore, on a donc, on va dire, une flexibilité dans notre modèle, même si l'envie est aussi de donner de la visibilité à des contenus français dans le reste du monde. Donc, par essence, nos contenus, une fois qu'ils sont sur la plateforme, ils sont accessibles dans le monde entier, à l'exception de certains qui, par le cadre de droit ou par le fait que ce soit des formats, font qu'ils ne le sont pas. Mais... Je rajoute juste quelque chose par rapport à ce que dit Thomas, parce qu'en tant que je trouve que c'est hyper aussi important de valoriser nos talents, c'est-à-dire les auteurs, les réalisateurs, nos talents à l'étranger, des talents français à l'étranger. Et ce que vient de dire Thomas, alors résonne fort pour moi. Je pense que là où pendant des années on a visé une production très franco-française avec peu de fenêtres et peu d'ouvertures sur le monde, on y travaille aussi avec Thomas. Et alors moi en tant que productrice, j'apprends plein de choses, c'est-à-dire que j'apprends aussi à travailler pour une écoute locale, certes, mais une visée globale aussi, dans le sens où comment tout d'un coup peut être le niveau de perception d'un pays vis-à-vis d'un autre. Et ça, on est dans cet apprentissage-là aussi, et c'est le travail que j'aime faire avec Amazon, c'est de ne pas rester franco-français et de se dire que nous, producteurs, on a la capacité de valoriser nos talents à l'étranger. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors sur la sortie du franco-français, justement, merci pour la petite passerelle, Justine. Je voulais évoquer le point des coproductions internationales, savoir si effectivement, et quand je dis coproduction internationale, c'est même coproduction européenne. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui rentre dans votre stratégie? Est-ce que vous voulez développer ces coproductions internationales, notamment en ayant la France attachée, donc votre division française? Est-ce que c'est des projets qui peuvent venir d'Amazon implanté sur un autre territoire, ou est-ce que voilà, un producteur belge peut venir en disant voilà, j'ai cette idée, je voudrais le développer avec la France parce qu'effectivement des éléments du scénario impliquent une présence en France. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau des coproductions internationales que vous mettez en place en interne? Il y a deux sujets là. Il y a un sujet, on va dire, qui est un sujet d'acquisition sur de la coproduction internationale avec du financement. Ça, c'est pas ma partie. Là encore, c'est Isabelle Bertrand qui le dirige. Et bien sûr que s'il y a des opportunités, ils sont à l'écoute et ils sont assez ouverts là-dessus. D'un point de vue production originale. Nous, on a la chance de faire partie d'une entreprise mondiale, et on échange avec nos homologues en Europe et même en Amérique latine ou aux États-Unis. Donc, si se présente l'occasion d'avoir des projets, on va dire ce qu'on définit comme étant interconnected, oui, on les regarde et on peut y réfléchir. D'accord, très clair. C'est important de souligner aussi que on est dans un échange en interne aussi, nous, perpétuel avec nos équivalents dans les autres pays. Et on se challenge aussi, et certaines idées qui sont faites dans un pays peuvent nous donner l'envie de la suivre aussi pour que une histoire ait une résonance en local, en français. Donc, on est ouvert vraiment à beaucoup de modèles différents. Bon, très clair.
Juste un point sur les technologies immersives. Alors, on entend par technologie immersive, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans les nouveaux contenus que vous pouvez... Est-ce que vous avez une stratégie déjà par rapport à ces contenus-là? Vu qu'on on dit à longueur de journée qu'il y a un développement très très fort, en tout cas un intérêt pour des plateformes pour ces nouveaux contenus. Donc est-ce que les formats innovants, nouvelles écritures, narration interactive ou immersive à l'instar un peu de ce qu'a fait justement Netflix ou d'autres sur des contenus en particulier. Est-ce que c'est quelque chose chez vous qui vous intéresse l'interactivité, l'immersif? L'interactivité, ça nous intéresse, bien sûr. On l'a fait notamment via Love Island, qui était une émission en direct avec une application où nos consommateurs pouvaient télécharger gratuitement une application pour être eux-mêmes impliqués dans l'histoire qu'ils étaient en train de regarder. La réalité virtuelle, pareil, on le regarde. D'ailleurs, c'est assez drôle, il y a beaucoup de choses qui sortent sur la réalité virtuelle en ce moment, du fait du Covid aussi, pour être à nouveau recommencer à tourner dans des dispositifs plus sécures, comment est-ce qu'on peut faire un petit peu différemment? Et du coup, la question revient sur la table. Bien sûr qu'on est à l'écoute de tout ça. Et là, c'est vous directement ou vous s'adressez aux États-Unis ou pas? Voilà, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Alors, ça dépend de si c'est pour parler de technique de réalité virtuelle, je pense que je suis pas le meilleur point de contact parce que j'y connais pas grand chose. Après, sur les principes de l'intégration dans les contenus, oui, c'est à nous qu'il faut en parler. D'accord. Après, d'un point de vue technique, nos partenaires, les producteurs arrivent la plupart du temps avec un partenaire qui maîtrise l'aspect technique et qui saura nous expliquer comment ça peut fonctionner pour nous. C'est clair. Okay. Justement, est-ce que Justine et Thomas d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler des points qui font d'une collaboration entre les deux, entre le producteur et le diffuseur, qui font d'une collaboration un succès ou une réussite, peut-être d'un point de vue de la plateforme, voilà ce qu'on attend, voilà les exigences qu'on a, parce qu'on sait que les plateformes sont exigeantes avec les producteurs et les producteurs. Ils ont des attentes, eux aussi ils ont des volontés et tout à l'heure on parlait justement du rapport entre l'artistique et la production. Est-ce que il y a des points clés qui vont déclencher justement ce succès dans la relation? Moi je pense que je définirais une relation réussie entre un producteur et Prime Video en trois points. C'est la flexibilité, l'échange et la transparence. Si on arrive à établir ces trois points dans notre relation, alors on pourra faire des grandes choses ensemble. Justine, est-ce que c'est pareil? Non, moi, je n'avais pas prévu les trois points. C'est-à-dire que Thomas est très intéressé. Je ne vais pas dire que c'est que ce partenariat, il est efficace à partir du moment où il y a une écoute. Cette écoute, elle est primordiale et où il y a une connaissance. Alors, c'est vrai que Thomas est un interlocuteur, je trouve, privilégié, étant donné son parcours et son expérience. Et aujourd'hui, il parle de point de contact. Mais aujourd'hui, on a un point de contact parce que, un, il y a une envie et une ambition partagée. Deux, il y a une connaissance et une expertise des contenus, de sa part à lui et de la nôtre chez Troisième Œil Production. Et je pense qu'on se retrouve sur plein de points et on a envie chacun de partager une expérience sur le contenu, par exemple, qu'on est en train de produire pour Orelsan. Moi, j'envisage la production avec le diffuseur comme étant à chaque fois une expérience forte, humaine. Et à partir du moment où le diffuseur arrive à entendre nos besoins et l'ambition, je pense qu'il est là, le partenariat réussi. D'accord. On vous dira quand ce sera diffusé, mais... Juste un point, il y a beaucoup de questions qui parlent de l'intervention sur le développement, etc. Je vous invite à reprendre le début, parce que là, évidemment, c'est des personnes qui sont arrivées sur le tard, et ça a beaucoup, beaucoup été évoqué, vraiment, de façon assez claire pour vous, en début de ce webinaire. Donc vraiment, les soumissions de projets, tout ce qui est développement et participation dans le développement, etc. Thomas y a répondu assez clairement au début. Donc vous pouvez revoir ça après en replay. Juste un point, Pierre, si tu me permets, par rapport à ce qui s'est passé pour Forte et le Pinocchio de Matteo Garrone. Là-dessus,
Évidemment, c'est très contextuel, c'est ce qui s'est passé par rapport au Covid-19 avec le confinement. Il y a eu donc une reprise de ces films-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, à terme, peut... déjà, est-ce que c'est quelque chose... Quelle expérience vous en avez tiré de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez reproduire à l'avenir? Et puis, effectivement, comment ça s'est opéré? Peut-être si vous avez des éléments à partager avec nous là-dessus, ça pourrait être assez intéressant, vu qu'on a des questions aussi sur ça. Je pense que la personne qui vous répondrait le mieux là-dessus, c'est Isabelle Bertrand, une fois de plus, parce qu'on était dans une logique d'acquisition. Maintenant, on en a été très content. On est très content du succès de Forte. Comme vous l'avez dit, c'était dans un cadre particulier. Notre envie était de donner l'opportunité à des films de pouvoir exister. Maintenant, le cadre dans lequel ça a existé était propre à une période qui semble terminée. La suite, qu'on ait envie de faire d'autres films comme cela, oui, il y a une envie. Après, on va affiner la façon dont on va le faire avec le temps. Alors justement, je profite de cette petite remarque pour faire une transition vers le Covid, la période du Covid qui s'est terminée. Ça a été, on le sait, pour toutes les plateformes et pour tous les diffuseurs de contenu, une aubaine d'être... enfin, je ne parle pas d'une aubaine parce qu'il y a des gens... Je parle d'une aubaine d'avoir une audience très captive. On sait que toutes les plateformes en ont profité. Est-ce que c'est possible de savoir Amazon abonnés en plus, est-ce que c'est possible d'avoir un peu des informations sur justement la place qu'a pris Amazon dans le marché de la SVOD en France? Vous savez qu'on ne communique jamais de chiffres. Oui, mais je vais quand même essayer, un petit peu. Non, nos contenus ont eu de la visibilité et pour rebondir, Forte a été plébiscité et c'est ça qui est plus important pour nous. Est-ce que si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'on peut avoir des tendances de progression de marché? Non. J'essaye. Non, franchement, les marchés ils sont tellement mouvants que je serais incapable de vous le dire. Bon, mais j'aurais quand même essayé. Hein. Est-ce que, par exemple, pendant cette période-là, on peut dire que vous avez mis en route beaucoup plus de production où vous avez commencé à prendre beaucoup plus de projets en vous disant il va falloir à un moment être à un niveau de, puisque les plateformes ont profité de nouveaux abonnés de manière globale, et encore une fois, sans donner de chiffres, puisqu'il y a de plus en plus d'audience, puisque les gens sont de plus en plus curieux, est-ce que c'est une raison pour mettre en route de plus en plus de production, ou est-ce que justement vous vous êtes dit on va peut-être attendre, voir? On n'a pas attendu cette période pour continuer à avoir de nouvelles productions pour mettre de nouveaux projets en développement. Nous, ça fait un an maintenant, comme on l'avait annoncé en novembre dernier, on a une envie d'investissement qui est réelle et qui n'a pas été influencée, on va dire, par la période du Covid. On a continué tout au long de l'année à travailler sur des nouveaux projets et de façon à enrichir notre offre locale. Et c'est pas seulement mon équipe, mais il y a aussi, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, mais on travaille main dans la main avec les équipes des acquisitions chez nous, qui ont fait tout un travail d'acquisition de stand-up tout au long de l'année pour nous permettre d'avoir une très belle offre là-dessus et d'offrir une offre la meilleure possible à nos consommateurs. Donc non, c'est pas lié au fait qu'il y ait eu le Covid. C'est vraiment une envie qu'on a de proposer et de continuer le contenu local. Est-ce que ça veut dire... Ah, pardon. Allez-y. Je voulais juste lui rappeler, c'est important de rebondir sur cette période qui quand même a été très très complexe pour nombreux producteurs. Et dans la recherche de certains producteurs qui travaillaient avec différentes plateformes, nous, Troisième Œil étant un groupe indépendant, on se permet plus que ce qu'on disait d'ailleurs, la coproduction, c'est-à-dire pouvoir mener des projets en commun avec différents producteurs. Et aujourd'hui, alors, on a eu la chance de pouvoir continuer cet avis. Durant cette période de confinement. Et aujourd'hui, on est très sensible aux projets qu'on reçoit de la part de producteurs indépendants, que nous-mêmes étant indépendants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se serrer les coudes.
L'idée, si demain l'idée est de faire des coproductions pour aller proposer à Amazon des projets, parce qu'effectivement, cette période a été complexe et aujourd'hui elle est encore plus complexe pour certains. Dans le coup, le troisième œil production est sur le coup, est là et sera très vigilant en fait, de pouvoir monter des partenariats, des projets avec des productions indépendantes. Alors, ça implique des coproductions possibles avec des chaînes. Est-ce que ça impliquerait pour vous de faire des programmes croisés avec des coproductions avec des chaînes linéaires, classiques, traditionnelles et Amazon? C'est des choses possibles? Ça, je vais laisser Thomas répondre. C'est tout à fait envisageable. Dans une partie d'acquisition, dans une logique de coproduction avec des cofinancements, c'est tout à fait envisageable, oui. Alors, juste pour éclaircir cette notion de coproduction et de cofinancement, c'est peut-être une question adressée à vous deux, pas une question piège, hein. C'est vraiment une question sur le partage de valeur de la propriété intellectuelle. Là, c'est vraiment chez la question juridique, mais c'est intéressant. Beaucoup se posent la question, et c'est bien d'avoir un élément de réponse de votre part. Savoir, voilà, vous cofinancez, vous coproduisez, est-ce que vous partagez la propriété intellectuelle avec le producteur, ou est-ce que vous pouvez on finance et derrière ça, l'œuvre après nous appartient, et donc c'est quelque chose qui, je pense, très important à entendre. C'est là encore, il n'y a pas de modèle fixe. Il y a sur une production originale, ce qui est sûr, c'est qu'on finance 100% du contenu qu'on fait. Quand on est dans un process vraiment original, quand les projets passent par moi. Ensuite, sur la propriété intellectuelle, ou on va dire tout le cadre de droit, c'est ce qu'on disait au début, c'est vraiment du cas par cas avec des situations qui sont différentes d'un projet à l'autre, parce que elles n'impliquent pas les mêmes choses et d'accord, chaque projet est très différent. Donc après, il y a une réalité, c'est que nous finançons 100% des projets que qu'on soutient en originals. Pour aller dans le sens de Thomas, quand on travaille avec un artiste, par exemple Orelsan ou d'autres, on ne peut pas imposer un format de contrat à un artiste, par exemple, donc il faut de l'adaptabilité, et c'est aussi pour ça qu'on a été chercher Amazon, c'est la possibilité d'écoute et d'échange autour d'un artiste comme Orelsan, qui est un artiste hyper indépendant et autonome, de pouvoir travailler avec Thomas, justement, un cadre qui permet à cet artiste. Ok. En parlant de cadre de travail, on a une question de pas mal de sociétés de post-production à la production qui demandent comment fait-on pour travailler avec Amazon, nous les prestataires, doubleurs, studios, etc. Est-ce que c'est des questions qui s'adressent à toi, Thomas, ou comment ça se passe? On a des interlocuteurs au sein de nos équipes, des execs de post-production. Donc je les encourage à les contacter afin qu'ils leur expliquent tout ça. Est-ce que Julien, tu veux reprendre sur une question? Quand on arrive bientôt, reste quelques minutes, on va profiter pour prendre quelques questions de la salle. Oui, il y a une question peut-être sur l'exclusivité. Est-ce qu'une fois qu'un film a été créé et financé par vous, est-ce que c'est quelque chose, il est évidemment en exclusivité sur votre plateforme, mais est-ce qu'on peut le retrouver aussi sur une chaîne ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Là encore, je ne vais pas faire une généralité parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas. Dans les contrats, dans les négociations. Il y a des questions aussi, alors sur le mais là encore, vous y avez quand même répondu au début, sur un volume de production annuel, est-ce que vous avez des quotas, vous dites je fais 10 unitaires, 10 séries, mais c'est un peu ce que vous y avez déjà un peu répondu. Ouais, c'est vraiment, s'il y a 10 bonnes idées, on en fera 10. S'il y en a 15, on en fera 15. S'il y en a 3, on en fera 3. On a quand même envie d'en faire plus. Mais c'est vraiment, nous, le quota, il est sur la bonne idée et la créativité. Oui. Alors, et une question Covid-19, qui est une question sur, qui est assez importante quand même, notamment aux États-Unis, mais est-ce qu'on peut tout à fait aussi la poser en France?
par rapport aux protocoles sanitaires. Vous savez, les protocoles sanitaires que l'on met en place dans le cadre des tournages, est-ce que vous, vous en avez un spécifique et est-ce que vous allez l'imposer ou en tout cas l'imposer, c'est pas un gros mot, dans le cadre des tournages que vous financez? Déjà, nous, on va être respectueux des protocoles de la CCHSCT qui font la référence en France. C'est notre point de départ est celui-là. Là, on travaille à la reprise de certains tournages. On va dire, sur la base de celui de la CCHSCT, on a aussi des protocoles internes qui viendront en addition des régulations locales. On va respecter ce qu'on nous demande de faire quand on est en France et on respectera tout ça à la lettre. Et après, il appartient à un chef producteur aussi de pouvoir organiser aussi les mesures de protection nécessaires pour un tournage. Et nous, on ne mettra personne. On veut que tous les gens qui travaillent pour nous travaillent dans des conditions de sécurité. Et on travaille à la reprise de certains de nos tournages. Et on le fait avec des protocoles qui sont très stricts et qui sont revus par des experts qui nous assureront qu'on est proche d'un risque inexistant. Même si ce n'est... Voilà. Une question plus technique sur des accords entre la SACD, la SCAM et Amazon ont-ils été signés, star d'autres plateformes? À ma connaissance, il y a des discussions, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais il y a des discussions. Est-ce que, Justine, on peut terminer peut-être cette conversation sur... justement, le point de vue d'un producteur vers le futur et une petite, un petit mot de conclusion sur les programmes de Troisième Œil qui seront en ligne ou sur la plateforme. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter avant qu'on se quitte pour le prochain webinaire? Alors, je vais pas me permettre quand même de conclure, mais je pense que l'émergence de plateformes comme Amazon nous permet à nous, producteurs, de proposer des formats ambitieux, montant par ambition des formats créatifs, de faire émerger des talents, des jeunes talents, parce que je pense que c'est aussi de notre responsabilité en tant que producteurs de faire émerger des talents, d'aller les soutenir auprès de Thomas, par exemple, sur Amazon. On n'est pas obligé d'arriver avec les plus connus et les plus et moi, je pense que le développement que nous, producteurs, nous devons faire, et en l'occurrence la production indépendante, c'est de valoriser le talent français, d'aller l'exporter à l'international et de faire en sorte d'être fort à l'inter en format d'écriture, en proposition créative, de narration et artistique. Et je pense que c'est vraiment, voilà. Et je pense qu'avec Amazon, c'est possible. En tout cas, du travail qu'on fait aujourd'hui, c'est possible. Moi, en tout cas, c'est ce qui me donne envie de continuer la production. Oh bah, tu parles, c'est une super conclusion pour ce webinaire. Thomas, un dernier mot aux personnes qui nous ont suivis pendant une heure et qui avaient des questions. Est-ce qu'il y a des dernières choses à préciser qu'on aurait peut-être oublié justement de poser comme question? Non, c'est. Je pense qu'on a tout dit. Nous, on a envie d'accélérer nos investissements en France. Il y a différentes typologies de programmes. On est ouvert à tous les faire. Dès qu'il y a des bonnes idées, on est là pour être dans un échange créatif avec l'industrie. Donc, je pense que c'est ça qui est important de dire et de rappeler que de toute façon, dans la façon dont on a travaillé avec les producteurs, on est toujours très respectueux. Merci. Alors, en attendant de se retrouver. Ensemble, en face à face, dans un festival, comme on disait au début, et de pouvoir échanger en personne. En tout cas, merci d'avoir consacré une heure aux gens qui nous suivent et de leur avoir donné un peu plus d'informations sur la production avec Amazon. Justine, merci beaucoup d'avoir partagé l'expérience de Troisième Œil, d'avoir été aussi franc, transparent et honnête sur tous les points qui étaient importants pour vous. Julien, Springlegal et Setkeeper, bien sûr, qui sont nos partenaires depuis le début, merci encore d'avoir participé. J'espère qu'on va se retrouver très très vite et puis en attendant je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.